Bonjour à tous, c'est Bis61 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite d'Age of Empires 2. Donc pour l'épisode 22. Donc là le scénario c'est toujours le même que le précédent. J'enregistre à la suite. Et donc il faudra détruire 5 ou 6 tours je crois et empêcher les ennemis de détruire Jérusalem aussi. Oula, je t'ai pas vu arriver. Ah ça va, c'est fait péter, c'est cool. Ça, ça fait du bien d'avoir des tours efficaces, je dirais. Alors, du coup, on va faire quelques améliorations, notamment la fortification. Lui, est-ce qu'il reste coincé ou il peut bouger son cul? Ouais, il va être coincé, là. Bon, écoute... Construis une tour, au pire, ça va t'occuper. Le mec perdu, quoi. Donc, je disais quoi? Oui, donc l'objectif, il faut pas qu'il pète, faut pas qu'il casse les certains monuments de Jérusalem, alors que Jérusalem est mon ennemi. Hein, c'est ça qui est compliqué aussi à gérer. Ah, ça y est, ils ont plus rien à miner. Du coup, ça tu détruis. Et je vais faire d'autres maisons pour voir si je suis toujours limité à 75. En tout cas, il y en a au moins une qui servira parce que je suis à 70 de pop. Donc, on va voir ça. Oula, ça y est, ils s'énervent les gadjos. C'est bizarre, ils marchent, ils arrêtent pas de bugger, je comprends pas trop. Ah, c'est un méchant ça. Il était planqué dans mon lit. Cataphracte, tu dégages. Voilà. Oh là là, ça y est, recommence avec leur scorpion. Ils en ont fait 10 000, allez. C'est pénible alors les armes de siège. Bon, j'ai compris. Je suis en train de me faire violer. Ils sont bien équipés les bâtards. Je sais pas si je vais réussir à tout dégommer. Faudrait que je passe à l'âge suivant pour avoir les trébuchés. Mis de nourriture 800. Ah merde, j'ai pas assez d'or. On va attendre un peu, mais je pense que c'est ce que je vais faire. Eux, ils ont fini, donc c'est 75 pop max, ok. Est-ce que je peux faire un autre bâtiment utile? Je crois que j'ai tout fait pour le coup. Pire, un château pour les narguer, éventuellement ici. Ça pourrait m'aider, on ne sait jamais, on verra. Quand il y aura plus de forêt déjà, ça sera bien plus intéressant. Je vais les mettre à couvert. Je vais voir du coup si ça les soigne ou pas, on verra quand ils vont ressortir. Parce que ça, je suis quand même curieux. Avec balistique, déjà, je pourrais encore mieux me défendre en plus. Voilà, donc lui, il a fini. Est-ce qu'il peut réussir à passer là par contre? Non, putain, c'est chaud quand même d'être bloqué. Ah, quoique là, ça va peut-être aller. Ah, c'est bon, je crois. Vu qu'ils ont coupé le... Ah bah, parfait. Eh bah, tu vas bûcher, mon garçon. Ça va t'occuper. Allez, on continue. Est-ce qu'il y a des trucs que je peux améliorer, là? Allez, la vie en plus, ça peut être intéressant. Allez, par contre, il faut toujours de l'or. J'aurais peut-être pas dû m'en servir. Je peux peut-être annuler, remarque. C'est combien? Ah, c'est 800 or. Faut attendre encore un peu. Parce que c'est un peu prioritaire, on va dire ça, par contre.
Alors, je regarde s'ils ont toute leur vie, non. Mais... Ah, ils se régénèrent. Ah non, ils viennent de le soigner, c'est pour ça. Ah mais je pense qu'ils se régénèrent, ils avaient moins de vie que ça. Ils doivent se régénérer quand ils sont en garnison. Ça, c'est cool, je savais pas. Donc du coup, ce truc-là, c'est utile, les unités de garnison dans les bâtiments guérissent 4 fois plus vite. Donc c'est... Ah non, attendez, putain, faut que j'arrête avec ça. D'abord que je fasse ça, et après je ferai le ça. Mais ouais, c'est cool ça de pouvoir les... Du coup, je suis pas obligé de faire un moine, finalement. On va dire que le moine, ce qui est intéressant, c'est que c'est local, quoi. Mais ouais, c'est... sinon c'est pas mal, ouais, j'aime bien. Sinon, eux, ils sont tranquilles. Eux, bah, ils ont pas grand-chose à faire. Ils sont toujours bloqués, je crois. Ah, quoique. Bientôt. Il reste un ou deux arbres qui gênent. On va l'aider à le péter. Allez, allez. Non, 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 ceux-là, là. Vas-y, pétez-moi cet arbre. Voilà, c'est bon. Parfait, comme ça, ça y est, ils sont libérés. C'était quoi ce truc là? Il se passe quoi là? Pas capté. Ah, d'accord, ok. Ah bon, ça va, je les dégomme en 2-2, ça passe. Je serais bien tenté de faire des bombardiers parce que ça coûte pas cher. Et en fait, les bombardiers, qu'est-ce que c'est? Parce que ça, je vous l'ai pas encore montré durant la partie. En fait, c'est des kamikazes, tout simplement. Ça, je sais pas pourquoi ils appellent ça des bombardiers. Ça bombarde rien du tout. C'est kamikazes. Et du coup, ça fait énormément de dégâts. Alors, faut pas qu'ils se fassent toucher avant d'arriver à leur cible. Et ça permet de péter un bâtiment assez rapidement. Après, faut qu'ils soient... utiliser bien comme il faut, quoi. C'est-à-dire que si on les met tous d'un coup, s'il y en a un qui pète avant les autres, bah, il va péter les autres. Et si les autres sont pas à côté du bâtiment, bah, ça va rien faire. Enfin, ça va pas être efficace. Et ce qui est bien, c'est que ça coûte pas très cher. Ça coûte un peu beaucoup de nourriture, mais bon, 20 or, ça va. Et je me dis que ça, il y a peut-être moins que je pète genre un forum, une connerie comme ça. Donc on va voir, ça peut être utile. Amron. Alors, sinon, niveau recherche, ça on va l'améliorer. Ça va, il y a de la marge. Chamoulour. Ouais, vas-y, je vais le faire. Alors, sinon, il y a quoi? 3 de portée de conversion, ça c'est pas mal. Je l'ai toujours pas fait l'autre truc, il faudrait que je le fasse après. Enfin, après, ça dépendra parce que l'or, j'en ai plus des masses. Hein. Je sais pas s'il y aurait moyen que j'en trouve d'autres. Peut-être faire une cavalerie d'éclairage après, voir s'il y a d'autres trucs que je peux... peut-être avec lui, au pire vu que j'ai converti. Faudrait que je vois s'il y a d'autres spots d'or, en fait. Parce qu'il y en avait un là, mais bon, voilà, quoi, c'est à côté des ennemis. Mais peut-être ailleurs, il y a moyen de choper de l'or. Parce que là, j'ai pas été jusqu'au bout, n'empêche, en plus. Ah ouais, il est agressif, quoi. Je l'ai pas touché. Je pensais qu'il allait me laisser tranquille. Donc ça c'est ok. Alors, lorsqu'un groupe de moines convertis, ok, les unités, oui donc ça c'est bon. Les moines reposent leur foi 50 fois, machin, ok. Ouais. Bon, je vais faire ça pour la garnison, c'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant. Je penserais je vais pas le faire puisque l'or ça coûte trop cher après. Et comme je dis, j'en ai plus beaucoup. Donc il y a d'autres priorités, on va dire. Explorer un peu tout ça. Alors ça je peux pas. Or insuffisant, ouais, c'est toujours de l'or. Bon, on va faire les trucs qui ne demandent pas d'or en attendant. Ah, c'est le désert total, hein, ça porte bien son nom, il n'y a rien. Je vais explorer comme ça en ligne pour voir s'il y a
éventuellement de l'or, parce que là ouais, c'est le dernier spot, ça va aller très vite. Alors, je peux les améliorer, donc permet de créer qui sont plus puissants et mieux protégés. Alors par contre, c'est 500 or. Mais c'est pas mal puissant, donc je pense que c'est ce que je vais faire, mais il faut attendre. Pour l'instant, je vais faire cette recherche-là. Tout ça, je peux le faire aussi. Tant que ça coûte pas de l'or, encore ça passe. Ah, ça, ça coûte de l'or, par contre. Ça, c'est un peu plus compliqué, par contre. Voilà, ça va, je les arrête bien, quand même. Ah. Ah, il a survécu? Mais c'était une cataphracte. Genre, j'ai réussi à la péter, quoi. Pas mal. Ou peut-être parce que... Parce qu'elle devait être blessée, je pense. Parce que les cataphractes, c'est mastoc, quand même, comme truc. Ah, mais il y a de l'or, là. J'avais pas fait le lien. Allez, c'est parti. Alors bon, il y a une zone noire, mais bon, ça, on va régler le problème vite fait. On va envoyer d'autres collègues en attendant, le temps que le reste se mine. Alors, qu'est-ce qui se passe? Toujours la tour qui se fait attaquer, j'imagine. Ah, un petit piqué, on va pas le faire chier. Ils sont très agressifs là, je les touche même pas, les mecs ils se vénèrent avant, ils faisaient pas ça. Ah, là il y a de l'or aussi. Par contre là on arrive à Jérusalem donc ça va être plus compliqué. Ok, donc ça c'est exploré. Bon bref, Jérusalem c'est au milieu quoi, d'après ce que j'ai compris. Je vais quand même aller tout en bas voir ce qu'il y a, s'il se fait pas violer avant. Donc voilà, je tenterai bien une technique du coup avec les saboteurs là, voir s'il y a moyen de faire quelque chose. Alors avant je vais terminer ça. Je termine la muraille au plus vite. Ah, là il y a de la verdure par contre. Est-ce qu'il y a des champs dans l'eau? Parce qu'ils m'ont dit ça comme conseil, péter les champs ennemis pour la nourriture, mais... À part les oranges, les autres, je vois pas de champs se promener par-ci par-là, quoi. Donc, ah! Ah, mais ça, c'est un truc templier, donc ça encore, je peux le péter, au pire. C'est pas problématique. Maniez-vous de terminer le mur, là, parce que je la sens pas, là. Ils vont nous attaquer, un de ces quatre, on va pas comprendre. Voilà. Toi tu vas là-bas. Toi tu vas terminer les autres. Merde. Non, putain, il va se faire attaquer. Ah non, reste là. C'était une erreur. Voilà. Toi tu fais ça. Pourquoi ils vont à l'extérieur? Je comprends pas. Ils peuvent le faire en diagonale, ça. On dirait qu'ils veulent le faire chier exprès. Limite, ils sont suicidaires, les gars. Bon, c'est pas grave. Au moins, c'est fait. Donc, ça y est, on a de nouveau de l'or. Bon, ils m'ont l'air d'être bien éparpillés, les bleus, encore. Donc. Conscription. Ouais, ça, je vais le faire. Ça, c'est pas mal, ça. Permis de gagner 33% de temps sur... Ah, mais voilà! Ah, mais on peut pas les casser, les champs. C'est juste des éléments de décor, ils sont marrants. Je suis c'est peut-être ces champs-là qu'il faut détruire, mais on peut pas. Et on a peut-être des cassables autour, faut voir. Alors là, il y a des squelettes. Plus pour la déco, je pense que moi, j'ai rien fait. Non, par contre, les bûcherons, là, faut rester... Ah putain, merde, y'a plus d'armes, déjà. J'ai pas perdu de temps. Non, mais les gars, non, ça le fait pas. Oh la vache.
Faut que je ferme ça au plus vite parce que là, il va m'arriver une couille sinon. Je vais faire ça comme ça. Et là, je serai tranquille au moins. Ah, là, il débite le bois à fond. Forcément, j'ai plein d'unités. Ça va très très vite. Donc ça, je peux le faire maintenant. C'est bon, allez. Même look d'élite, avec ça, on va défourailler. Sinon, lui, il est toujours vivant. Ah bah voilà, ça s'en est un. Crève. Bon, il n'y a qu'un seul cavalier, mais en attendant, on se fait ça. Voilà. Il n'y en avait qu'un? Mais en fait, ils sont éparpillés, c'est ça. Il y en a qui font partie du décor, il y en a qui sont cassables. Il faut trouver les bons. Hein. Bon, s'ils viennent pas riposter, par contre, ça c'est cool. Voilà, il n'y en a aucun qui est détruisable. Peut-être là-bas. Non, apparemment là c'est le désert. D'accord, il y avait juste un champ parmi tout le lot. C'est étrange, mais pourquoi pas. Et là c'est encore le désert, ok. Bon, je vais voir ici s'il y a des trucs à visiter. Sinon, elle, ça va, elle arrive bientôt. Par contre, elle met toi à l'intérieur, voilà. On va pas laisser l'ennemi passer. Il n'y a rien qui est attaquable sinon. Toi tu vas réparer au lieu de bûcher parce que là la tour elle a pris un peu cher. Vu que c'est toujours elle qui subit. Toi tu vas faire un camp de bûcheron un peu plus proche. Voilà. Alors est-ce que je peux faire d'autres améliorations sinon? Bah il y a tout ça à améliorer. Là c'est bon, les mêmes looks c'est des mêmes looks d'élite. Je sais pas si sont... Bon, ils étaient déjà bien puissants, mais je sais pas si c'est vraiment beaucoup plus efficace. J'en ai pas le souvenir, en tout cas. Alors, est-ce que t'as vu des trucs? Il y avait une mine, apparemment, mais elle a déjà été prise. Ah, une tour ennemie. Un stock de pierres. Donc très léger. Ah, ils veulent m'attaquer de ce côté-là, d'accord. On va s'occuper de leur cas. Alors, ils m'attaquent pas vraiment, je sais pas, ils sont encore à moitié buggés, les types. Toi, tu viens par là? Putain, décidément, ils veulent vraiment se barrer. Hein. Laissez les arbres tranquilles là-bas. Ça, je le fais. De toute façon, là, toutes les recherches, elles sont bonnes à prendre. Donc, ça va prendre un peu de temps, mais au moins, je serai tranquille après. Bon, là, le stock d'or, il durera le temps qu'il faut. Hein. De toute façon, après... Tout ça, par contre, c'est vrai que ça sera intéressant de foutre une muraille. Je pense que je vais... Ah, mais j'ai plus beaucoup de pierres. Essayer de faire un truc comme ça. Au pire, je vais en acheter, mais... Ah oui, mais voilà, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Je me disais bien qu'il y avait un autre bâtiment que je devais construire, mais j'avais zappé lequel. Et c'est un marché. Voilà. Ça, je vais le faire parce que... Comme ça, là, j'ai toute la grande zone d'arbres. Il n'y en a pas des masses de ouf, mais ça peut m'aider, je pense. Alors, je vais tenter, du coup, les fameux saboteurs. Moi, je les appelle comme ça, parce que je crois qu'il y a certaines races où ça s'appelle les saboteurs. Je crois. Donc, on va voir ça. Alors je vais faire exprès d'attendre un peu pour les retarder et pas qu'ils pètent tous en même temps. Tout en douceur.
Hassanan. Amrok. Hassanan. Naam. Alors j'espère qu'ils vont pas se faire intercepter. Ce qui risque d'arriver, hein, honnêtement. En plus, ils sont pas résistants, mais bon. Au pire, normalement, quand ils explosent, vu qu'il y a des déflagrations, ça va exploser sur le cavalier, normalement. Ah non, ça a rien fait, d'accord. Du coup, je sais pas si je vais réussir à en amener jusqu'au bout. Bon, ils en laissent passer, là, mais bon, faut voir sur les suivants. J'arrive bientôt à mon port. On va voir, je croise les doigts. donc lui, c'est bon. Alors, je vais acheter un peu de pierre, du coup. Putain, ça vaut 200 la bouffe, et je vais en vendre masse, hein. Voilà, attends, il y a moyen de se faire de l'or, je dis pas non. Donc voilà, et toi tu fais ça. Et ça. Alors, ah bah parfait, c'est cassé. C'est cassé. Ça je vais le péter aussi. Putain, c'est masse résistant. Enfin, c'est pas masse résistant, c'est masse défonçant. Je sais pas comment dire ça. Ça me voulait pas que c'était aussi efficace. Je l'ai gardé moi ça. Quand Bûcheron en 2-2 il a pété. Je savais que c'était puissant, mais il me semblait qu'il en fallait quand même beaucoup. Mais là, le forum, je l'ai violé. Au moins, ça va les faire un peu chier. Je pense que je pourrais même leur rendre visite maintenant. Comme ça, là, ils vont être en difficulté. Parce que là, s'ils ont pas de point de collecte de bois, ils vont devoir en recréer un. Après, il faut recréer un forum. Peut-être le moment idéal, justement, pour frapper, je pense. Donc on va pas s'en priver. Faudrait que je fasse une porte aussi. Alors. En plus la Mamelouk d'élite, avec toutes les améliorations qui sont arrivées, ça peut être efficace. Alors allez m'attaquer si vous voulez, je pense qu'ils veulent se venger, mais ça va pas suffire à mon avis. Alors qu'est-ce qui reste ? Ça c'est réglé. Allez, on va péter leur champ là. Hop 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 hop, ça y est, ça recommence les scorpions. Voilà. Ah, ça se dégomme bien vite en plus les champs avec eux. Hop là, même pas le temps de dégainer. Voilà, je vais venir à bout des oranges, comme ça ils vont me foutre la paix pour la suite. Alors le bélier, je sais pas ce qu'ils veulent faire avec ça. Péter un cheval, non, je sais pas. Alors j'ai vu qu'il y avait des villageois là. Je vais leur rendre visite. Putain, c'est carrément efficace, c'est même une d'élite, ça arrache tout quoi. C'est un truc de ouf. Putain, vas-y, 3-4 coups d'épée, allez hop, dégage. Allez, dégomme-moi ça. Ah, c'est vachement efficace en fait comme unité. Bah tant mieux. Allez. Eux, je vais les emmener je sais pas où. Je vais les mettre sur place déjà, on verra. Alors il y a une palissade, je sais pas pourquoi. Ils en ont pas fait ailleurs. Je vais vérifier ce que c'est. Ça se trouve, il y a la tour derrière peut-être. L'une des 5 ou 6 tours à péter, c'est peut-être ça. Ah non, d'accord. Ah ouais, attendez, je vais péter les moines. Voilà, pas eu le temps de me convertir. Le moine, tu vas aller chercher la relique du coup. Par contre, il va peut-être se faire attaquer sur le chemin. Ça va être compliqué à gérer ça. Je vais voir s'ils ont pas d'autres bâtiments par là-bas quand même.
Ouais, bon, ça, on s'en fout. Peut-être leur collègue d'or, non? Enfin, je vais voir. Cela, il y a le moine qui risque de prendre cher. Est-ce que j'ai fait l'amélioration pour qu'il avance plus vite? Non, même pas en plus. Bon. Je vais essayer d'attaquer leur château. Là. Ah putain, il y a des canons à bombarder en plus. Violence. Voilà, parfait. Allez, je vais m'occuper du château. Ça a pas fait de dégâts? Ah, il l'a peut-être pété avant. Et ouais, parce qu'il frappe vite. Ah, quoique, si, ça marche pas mal. Dégage, le paladin. Alors, le moine arrive bientôt. Je vais me rapprocher de lui. Enfin, quoique, parce que là, ils arrêtent pas de s'occuper de moi. Putain, ouais, là c'est chaud par contre. Allez, ramène-le à la base, toi. Putain, c'est le bordel. Ils arrêtent pas, les mecs. Putain, ils sont vénères là. J'ai attaqué leur château et tout. Putain, mais sérieux, le moine il passe devant quoi. La provocation. Il va se faire violer. Putain, c'est chaud là. Oh là 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 là. Putain, mais le moine, t'es sérieux quoi. Bonjour, j'ai votre relique. Venez la chercher. Lol ni lol. C'est abusé. Allez, c'est bon, il est presque au bout. Je vais mettre en garnison. Du coup, faut que je relance une prod, hein, parce que là, ils sont tous morts. Mais j'ai fait pas mal de dégâts, là. Les oranges, ils ont pris extrêmement cher. Ils sont en PLS. Donc, c'est pas mal. Alors, du coup, oui, j'ai fait cette recherche. Là, il reste quelques améliorations à faire, donc on va le faire. Et il en reste pas mal ici, par contre. Donc voilà, là j'ai une relique, ça me génère de l'or en plus, comme ça si je suis en galère d'or, bah voilà, en plus j'en ai plus. Ça tombe bien. Et bah comme ça, je pourrais en choper avec des reliques. Bon, ça monte très lentement, c'est un or par seconde, mais c'est toujours ça de prix. Hein. C'est pas négligeable. Par contre, le moine là, tu vas dégager. Je vais te buter, mais clair et net, t'as rien à faire là. Enfin, quoique l'envoyer tout seul, c'est risqué, il pourrait le convertir. On va jouer au poker, allez. On fait un petit coup de bluff, on va voir si je gère ou pas. C'est bon, allez, dégage. Hop. Alors, sinon. Donc là, on fait la petite muraille qui va bien. Voilà. Et eux, du coup, c'est où qu'il y avait de l'or? J'avais pas vu de l'or. Ah ouais, mais c'est juste à côté de chez eux, quoi. Je vais tenter. On va voir. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais on va tenter. J'ai quand même laissé 2-3 pecnos là, parce que si je les perds tous, ça serait con quand même. Et je prépare de quoi déforester en masse. Eux, ils sont bientôt au bout. Je crois que je vais bientôt leur dire... Même maintenant, en fait, je vais leur dire d'y aller, parce que sinon... C'est une perte de temps, il reste un tout petit peu. Après, je vais oublier, puis ils vont aller ailleurs. Vite, avant de te faire enfermer. Voilà.
Allez, ils vont me bûcher tout ça. Je vais me venger sur le bourg. Là, j'en ai 12 000 en plus, c'est cool. Sinon, je faisais quoi? Oui, c'est là. Mais ça va, il n'y a pas de tour de garde et tout, donc... Il y a moyen d'être peinard. Enfin, entre guillemets, parce qu'ils vont venir me déloger, un de ces quatre, je vais pas comprendre, mais... Je vais essayer de le faire au max, en tout cas. Donc ça, c'est cool, ça se déroule pas mal. Bon, il y a l'histoire de faut défendre le dôme, je sais pas quoi, mais bon, pour l'instant, on m'attaque pas. Je vais juste me contenter de terminer les oranges et les jaunes, vu que maintenant, je sais à peu près où ils sont. Et du coup, après, il restera à Jérusalem, et techniquement, Jérusalem va pas s'auto-péter ses bâtiments. Donc ça devrait aller, quoi. Et sinon, les tours, je sais pas lesquelles c'est, est-ce que c'est ça? Je sais pas, est-ce que ça, c'en est une? Il y en a pas beaucoup, donc j'en ai vu qu'une, d'ailleurs, pour l'instant. Ouais. Donc, oui, c'est peut-être l'une des 5 ou 6 tours à péter, sûrement. Parce qu'en plus, c'est des tours à canon, donc ça fait très très mal. Qu'est-ce qui tire, là? Bon, ça doit être encore les mêmes connards qui font chier. Ouais, bon, sinon ça passe crème, hein, franchement. Je pense qu'on va bientôt s'arrêter là pour cette vidéo. Je suis à combien? Ouais, on va s'arrêter là. Je vérifie juste s'il n'y a pas d'inactif. Ok, ça mine partout, on est OP. Bah, voilà. Alors oui, ouais, forcément, c'est plein maintenant. Hop. Je vais les mettre là. On va en produire aussi ici. Je vais enregistrer. Voilà, en espérant que cette vidéo vous a plu du coup. La prochaine, je vais essayer d'accélérer les choses pour bah, terminer le scénario quand même. Parce que là, ça fait 2 vidéos déjà, donc ça fera 3 bientôt. Donc, bon, ça a pas l'air bien compliqué. Bon, ils sont pas mal armés hein, quand même, hein, faut pas déconner, mais... Si on fonce sur les objectifs, je pense que ça devrait aller, quoi. Donc voilà, en espérant que ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, et on se dit à la prochaine pour la suite. Allez, à plus !